power. Ouais, c'est le bordel, ça démarre avant moi. Comment vous allez les gars? Les filles, tout le monde, everybody? Laissez-moi deviner, vous êtes enfermés chez vous? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est ouf. C'est un bon moment pour jouer à ce jeu. Faut que je me rappelle comment il marche. Le tir, c'est où? Non, ça c'est le drift. Voilà. Oui, je retourne dans Project Starship X. Parce que ce jeu, il est rigolo. Et du coup, on va rigoler ensemble. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait du random dès le démarrage. Le salaud. Alors, je rappelle que Project Starship X, que j'ai déjà chroniqué hein, sur la chaîne, c'est un shmup un petit peu ouf. Parce que... Parce qu'on peut drifter dedans et du coup c'est bizarre. Parce que du coup il faut acquérir le rythme du jeu, c'est important. Si vous n'avez pas le rythme du jeu, vous mourrez. Vous mourrez très vite. Hein. Là on est au début et ça va piquer un peu après. Ah putain. Non 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 non. Oh, il est vachard. Alors, l'autre particularité du jeu, si vous avez parlé de la chronique, c'est qu'il est bizarre. Hein. J'arriverai pas à parler. Hein. Bah, l'autre particularité du jeu, c'est qu'il est géré en semi-procédural. Donc, ça veut dire que un tableau que vous faites aujourd'hui, ce sera pas forcément le même le lendemain. Ah merde! Et il faut drifter pour passer au travers des tirs imparables et récupérer les bonus. Et du coup, ça vous demande une certaine gymnastique pour être vraiment... Ah putain. Mad Event, je sais pas ce que c'est, je veux pas le savoir. Tiens. Ça y est, je suis chargé à bloc. Oui, oui, il faut vraiment drifter beaucoup. Du coup, vous me pardonnerez de pas beaucoup vous parler aujourd'hui. Parce que si je vais être focus un minimum et efficace dans ce dernier jeu. Alors, le dash, qui ne lave pas plus blanc, hein, qui sert à drifter, faut attendre qu'il se recharge à chaque fois. C'est pas aussi évident du coup, les gars. On va lui faire la peau. Aïe aïe aïe. Du coup, le jeu est vachement marrant parce que derrière ces apparences toutes simplistes, ces graphismes qui le sont également. Il vous réserve pas mal de surprises. Aïe aïe aïe. Et il est pas si simple que ça à maîtriser. Hein. Loin de là même. Capoute. Donc du coup, il vous faut maîtriser ce fameux dash. Maîtriser l'esquive, les tirs, péter ce qui est important. Sachant que le jeu va s'adapter à votre skill derrière, oui, c'est ça la magie du semi-procédural. Donc du coup, moi j'adore ce truc. Parce que du coup, les jours où je suis bon, bah, le jeu s'adapte, et il m'en met plein la gueule, quoi. Et les jours où je suis pas bon, bah, il est un peu plus tolérant, et il fait, allez, tiens, Pépé a pas ses réflexes aujourd'hui, il a pas pris ses 12 cafés. On va lui filer un coup de main, quand même. Et puis cette musique, quoi. Oui, du vrai 8-bit stylez. Ouh,
J'ai raté le bonus. Oui, il y avait un passage secret, comme dans les Mario. D'ailleurs, j'avais prévenu le développeur que j'étais inquiet quand même pas qu'ils se prennent des emmerdes de la part de Nintendo, car tout le monde sait que Nintendo, c'est des gens qui savent être vraiment des gros cons parfois. Et même s'ils font des jeux assez géniaux et qu'ils aiment pas se faire copier, ce qui est légitime, parfois ils emmerdent des développeurs indépendants qui sont pas là pour leur repomper les trucs, bien au contraire, et qui font plutôt des hommages. Je n'en doute Dieu. Oui, j'en bave un peu. Aïe. Je l'ai senti celui-là. Vite, il me faudrait une recharge. Comment ça, je speed? Pas du tout, je suis détendu. Détendu comme... Je saurais pas vous dire quoi. Alors, à noter, je l'ai pas dit, mais le vaisseau du joueur ralenti... Oh putain. Si on garde le tir appuyé, un petit peu à la manière des caves. Et du coup, c'est particulier qu'on a le drift, enfin le dash. Plus les tirs, plus le petit bordel qu'on a sur soi. Eh, là, le pas joyeux. Snippy Snappy. Snippy Snappy, a-t-il bien mangé ce matin? Ouais, je crois pas, là. Hop, 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 doucement. Côté musique. Suis le groove. S'il a pas fait long feu, mais nul doute qu'il y aura un autre morceau. Ah, voilà mon patron. Salut, boss. Je veux bien... Ça, c'est quoi? R, ça a l'air bien. Je suis là. Comme ça, je vais tirer encore plus vite. Je vais faire encore plus de dégâts. Oui, je suis employé de Cthulhu. Hein. Enfin, normalement, je suis pas censé dire son nom. Mais je suis son employé dans un shmup, qui plus est. Donc, je suis ravi. Je me sens un peu chez moi. Alors, je vais être transformé, je sens. Je vais être transformé. Oui, car il n'y a pas que ce vaisseau, il y en a d'autres. Et vous allez voir ce qui va m'arriver, je pense. Non, pas très longtemps. Je vais avoir le fameux vaisseau grenouille. Alors c'est important de sauter avec celui-là. Alors il gère pas le tir en continu non plus, donc il faut vraiment tirer comme un salaud quoi. Ah, j'ai raté. Non, on va le laisser. Hop, 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 hop. On se connaît pas les gars. Alors cette partie mi-plateforme, je vous garantis que ça surprend la première fois vous arrivez dedans en fait. Non. 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 Et le jeu vous fait... Si, 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 si. Ah, merde. Je suis merdé. Oula, mon power, mon power, mon power. Oui, c'est plus power of love. Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié de sauter. On va éviter les trucs compliqués. On va aller au plus simple. Shazam, je suis re un vaisseau, ça va aller beaucoup mieux. Ah, je suis re une grenouille. Je m'en sors pas très bien, je trouve, en grenouille. Ah, il m'a remis en grenouille, faut pas arrêter de sauter. Ah, le trab. Non mais bon, on est sale. Ce jeu complètement barré, quoi. Et donc pendant l'émission, moi je m'étais arrêté sur ce boss. T'es un poil énervé. Merde. My bad, my bad, my bad. Faut que je gère, faut que je gère, faut que je gère. Je vois pas quoi faire là du coup. Ok.
J'ai juste sauté dedans. Ok. Et on y retourne. Donc ce projet Starship X, franchement, c'est une bonne surprise. Le jeu est à petit prix, je crois qu'il y a une démo, hein, je sais plus si elle est toujours. Mais il y avait une démo à l'époque. Essayez-le, sérieux. C'est rafraîchissant. Parce que du coup, ça mélange de manière un peu osée quelques styles de jeu. Et c'est super jouable. Donc il serait idiot de passer à côté. Oula. Et alors, faut aimer les trucs qui rendent un peu épileptique. Hein. Je suis surchargé. Comment je passe? Oh là là. Alors là, il faut vraiment jouer du dash. Oula. Alors, on peut les enchaîner, mais je vous rappelle que j'en ai un nombre limité. Ça doit être un paramètre qu'on peut augmenter avec les différents bonus. Le jeu est tout excité. Je vais en prendre plein le pull au vert. On peut choisir de passer là au sol ou rester en l'air. Et du coup c'est... Ah, j'aurais pas ce bonus. Non. Merde. Je me suis pété tout seul contre une paroi. Comme dans un shoot horizontal. Si ça c'est pas moche. Je vais juste me mettre le retour comme il faut. Et que oui, on va restarter. On est vu là pour s'amuser. Donc je vous rappelle que c'est un stream bonus, hein. La chronique est déjà faite. Je changerai pas d'avis, ce jeu est très très bien. Et on va retourner rigoler un petit peu. Alors je vais pas faire le malin parce que j'ai plus du tout le même tir que quand je suis arrivé sur ce niveau. Un tir qui était quand même pas mal, hein. Bien équipé le garçon. Et donc là, bah, face à la racaille volante de l'espace, je vais faire un peu gaffe. Bah, c'est une autre musique. Et vous avez vu, le tableau n'est pas exactement le même. Je sais pas ce qui est arrivé à mon vaisseau, il est énorme, comme un énorme vaisseau, quoi. Bah pas le vaisseau père, le vaisseau mère. Bon. Me faites pas dire des saloperies, ça marche pas. Je suis saloperie plus. Ah purée, j'ai perdu mon bonus. Je suis tricitouille. Et ils sont traîtres. Oh non non non. Je suis retombé aussi sec. Oh la zik est terrible. Je peux jeter en fait mon armure. Et remonter dedans aussi sec juste après. Vous avez vu ça? Si ça c'est pas de l'équipement haute qualité. Hop, purée. Et je remonte dedans. Quelle efficacité! Oh, terrible, terrible. Le gameplay, franchement, c'est génial. Ah, faut que je remonte dedans. Ce fut chaud.
Je le garde, je le garde. Je suis bien avec ça. Oui, PSX, c'est un jeu. Vous allez l'adopter de gré ou de force. Je vous le streamerai jusqu'à ce que ça rentre. On n'a pas idée de faire un truc aussi marrant. Ah, je suis attiré sur le côté gauche. Je vais pas faire le malin. Alors, mes tirs aussi sont attirés sur le côté gauche. C'est un hommage. Il y a un hommage. Vous l'avez tous reconnu, mon jeu le plus détesté au monde. Nemesis, aka Gradius, en version verticale, pour répondre à mes attentes, et il me met des dérouillés, mais comme le vrai, quoi. Oh, salaud, salaud de jeu. Je voudrais bien lui du bonus shield. Ça va pas très bien se passer, les gars. Oh purée. Tout ce que je déteste. Oh. Oui, monsieur qui a crispé, ça vous fait toujours rire. Moi pas, pas du tout. Alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Oh ma zette. Regardez-moi cette engeance. Ah, et à chaque fois que je reste verrouillé dessus, je dérive inexorablement vers le sol en lave de la planète. J'ai raté ce fragging bonus. Ah, ce niveau me déteste. Ça va être saignant s'il y a un boss à affronter. Ah bah, il y a un boss à affronter en même temps. Qu'est-ce que vous croyez? Je veux descendre. J'ai pris cher. Et non, il n'y a pas de stress. Oh, la chance, la chance. Oui, 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 aïe, aïe. Oh, la cruauté de ce jeu. Oh, shields up, c'est ce qu'il me fallait. Je veux bien, patron. Oh, bah, je veux ça, regarde, c'est à ton effigie. Je peux pas ça? Bon, ok. Attention. Il y a toujours la gravité qui m'attire inexorablement vers le mur de lave. Mais c'est exactement ça. Je suis pour qu'on change de planète. Ah, ça va mieux de retrouver ces directions. Mais peut-être vais-je avoir une autre surprise. Action. Oh, je vais repasser en mode grenouille. Oh, j'arrive pas à sauter comme il faut. Que se passe-t-il? Je n'ai plus le groove, ça y est. La classe, le strass, tout a foutu le camp. Pardon, je m'applique. Ça allait bien, ça allait bien. Alors ce tableau a un air de déjà vu, c'est normal. On l'a déjà vu. Mais je pense qu'il va pas manquer de me faire des blagues. Les bascules entre le mode terrestre et le mode aérien, c'est sport quand même.
Danse, piéton. Ah. Oh, c'est stressant ça. Regardez. Alors c'est rigolo l'ordre des niveaux qui change. Bah ça au moins c'est réglé rapidos. On va voir si je vais crier ou pas. Oh la musique. Il faut pas hésiter à aller faire du dash dans les ennemis, hein, je le rappelle. Aïe aïe aïe. Ah. Mais non, je me suis encore scratché sur un... Ah, ça c'est... Vous savez pourquoi je... Oui, vous savez pourquoi j'aime pas jouer aux chemins horizontaux, parce que le décor compte. Si on me met ça dans un vertical, ça fait pareil. Ouais, j'abandonne. Voilà, vous en avez vu un petit peu plus sur Project Starship X, que je reste à vous recommander parce que ce jeu est vraiment très très drôle. Ça change des shmups usuels, ça change des jeux d'arcade habitués aussi. Et du coup on s'y retrouve vachement bien, on va faire quelques petites parties comme ça, une vingtaine de minutes, ça dépend toujours. Je pense que je vais publier ce stream, donc playlist et bouton d'abonnement, je compte sur vous, soyez plus nombreux. On va commencer à faire quelque chose de cette chaîne. A bientôt, ciao.